Dans le nord-est de la RDC, des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, ont attaqué un camp de déplacés en Ituri, faisant plus de 40 morts selon une source locale. Au Nigeria, le président Bola Tinubu appelle les habitants à faire preuve de patience suite à la fin des subventions du carburant qui a entraîné notamment une hausse des prix des denrées alimentaires. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite condamnent fermement la reprise des violences au Soudan après l'expiration d'un cessez-le-feu de 24 heures entre les parties belligérantes. L'Union européenne va prêter à la Tunisie près d'1 milliard d'euros pour l'aider à développer son économie et à faire face à la crise migratoire.